en direct de TV de vie, TV et radio de vie. Bonsoir tout le monde, mes frères et sœurs, que le Seigneur soit glorifié, soit béni pour votre présence. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour l'œuvre, Seigneur de la croix, l'œuvre de la croix dans nos cœurs, dans nos vies. Merci pour, Seigneur, ta parole qui nous a franchi. En ton nom, nous prions, Adonai, Dieu d'Israël. Amen, gloire à Dieu. Voilà, mes amis, nous sommes en direct sur TV et radio de vie. Voilà, et que Dieu soit béni pour la présence de chacun. Et euh, nous sommes toujours sur euh, le livre d'Apocalypse. Et euh, on va, par la grâce du Seigneur, hein, euh, euh, l'étudier de fond en comble et euh, tirer toutes les euh, leçons, euh, tous les enseignements, euh, euh, mes amis, indispensables au salut, n'est-ce pas, et euh, au salut de nos âmes. Voilà, donc nous parlons bien sûr des euh, sept trompettes. On a eu à étudier, euh, à partager sur les sept sauts. Donc euh, le septième saut va déboucher sur euh, l'ouverture ou le retentissement plutôt. Donc l'ouverture du septième saut va déboucher sur le retentissement des euh, des sauts. Voilà, des sept sauts. Et euh, on a parlé de des sept trompettes, pardon. On a parlé des deux premières trompettes et ce soir nous allons euh, parler bien sûr de, des autres trompettes. Alors nous sommes dans, dans Psaume 89, le verset euh, 16. La parole nous dit ceci Béni est le peuple qui connaît le son de la trompette. Béni est le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche, ô oh Yahweh, à la clarté de ta face. Voilà, le peuple qui connaît le son de la trompette est un peuple béni, est un peuple heureux. Et le Seigneur dans Jean 10 disait que euh, ces brebis, ces brebis connaissaient sa loi, connaissent sa parole et, euh, et sa voix plutôt. Ces brebis connaissent sa voix et elles le suivent. Donc, nous sommes dans une génération, mes amis, où il est plus que nécessaire, plus qu'important, plus qu'indispensable que des chrétiens connaissent, reconnaissent la, le, le son du, du, de la trompette, le son du chauffard. Pourquoi Parce que le Seigneur est en train de revenir et nous avons intérêt, mes amis, à reconnaître le son de la trompette. Alors, et, euh, bien avant euh, la, 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 le retentissement de la septième trompette, le Seigneur est en train de susciter des hommes et des femmes qui, qui le craignent, qui sont séparés, mes amis, euh, du péché, séparés des, des pécheurs, séparés des... des de la religion et qui crie aussi comme des chauffards, comme Isaïe 58 et euh, le dit. Le Seigneur disait à Isaïe dans Isaïe 58, crie à plein gosier et ne te retiens pas. Crie comme un chauffard, à plein gosier. Et euh, donc, il y a des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur, qui le craignent, qui se battent pour le craindre, pour le craindre, pardon, et qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui crient, qui euh, euh, sonnent, bien sûr, la trompette. Mais, mais, il y a, comme vous le comprenez, comme vous l'avez compris, il y a aussi sept anges qui se tiennent devant le Seigneur, notre Dieu, au ciel, et qui ont la mission, bien sûr, de faire retentir sept sons différents qui, n'est-ce pas, vont provoquer un certain nombre de choses sur terre. Et euh, voilà. Et heureux ou béni, comme la parole le dit, est le peuple, béni est le peuple qui connaît le son, n'est-ce pas, de la trompette. Alors, je vais d'abord euh, nous dire, nous dire, vous dire pourquoi, euh, le, le, pourquoi les trompettes? Alors, il y a plusieurs raisons, comme on l'a vu la dernière fois. Premièrement, parce que par euh, les trompettes, Dieu, selon nombre, 5, euh, nombre 10 précisément, selon nombre 10, Dieu rassemblait, Dieu rassemblait son peuple. Donc le son euh, euh, des trompettes ont pour but de rassembler les enfants de Dieu, et aussi de les préparer à la guerre, comme 1 Corinthiens chapitre 14 nous l'apprend. Donc on va rapidement lire ce passage dans 1 Corinthiens 14. On va d'abord parler de, euh, des pourquoi. Euh, les pourquoi, euh, pourquoi, les sons de trompette. Pourquoi les trompettes Alors dans 1 Corinthiens 14, Paul dit au verset 8, « Et si la trompette rend un son incertain qui se préparera à la bataille. Voilà. Donc, et euh, Paul nous apprend, nous enseigne que pour que les chrétiens se préparent à la bataille, il faut qu'ils entendent le son de la trompette. Et c'est ce que euh, le Seigneur disait aux Hébreux, justement, quand une guerre se préparait et euh, s'annonçait, bah, les prêtres, n'est-ce pas, et euh, fils d'Aaron prenaient leur trompette, leur chauffard ou leur corps, n'est-ce pas, donc de, cornes de bélier. Eh ben, sonner le chauffard pour rassembler les élus. Et il euh, et, y a un passage dans Matthieu, chapitre 25, et euh, à partir du verset 31. Matthieu 25, à partir du verset 31, le Seigneur dit ceci Or, quand le Fils de l'homme viendra, environné de sa gloire et accompagné de tous les saints anges, eh, et alors il s'assira sur le trône de sa gloire. Et toutes les nations seront assemblées devant lui, et il séparera les uns avec les autres comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et au verset et à plus loin, le Seigneur nous appelle, nous, nous enseigne que ben, il va ici rassembler hein, les, les nations, rassembler ses enfants également au son de la trompette. Et il va le faire parce que et, ben, la trompette a aussi pour mission de rassembler les élus, de préparer, mes amis, euh, ses enfants, afin de vivre éternellement avec lui. Nous sommes dans Matthieu 24 au verset 31. Matthieu 24 31. Le Seigneur dit Il enverra ses anges avec un grand son de trompette et ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Donc, il enverra ses anges avec un grand son de trompette et ils rassembleront ses élus quatre vents, hein, des quatre vents des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Donc, on voit que le maître ici, il le dit, hein, regarde le verset 30. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront en se frappant la poitrine et verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. Il en verra ses anges avec un grand son de trompette. Dans le but, bien sûr, de rassembler les élus. Donc, on voit bien que c'est vraiment. Euh, les trompettes ont pour mission, ont pour but, premièrement, de rassembler les élus afin de recevoir les instructions du Seigneur. Et euh, à l'époque d'Israël, c'était pour rassembler les enfants d'Israël selon le nombre 10, convoquer des assemblées solennelles, tout ça, pour donner des instructions, notamment les enseignements, la Torah, tout ça, au peuple. Et aussi pour les préparer, deuxièmement, préparer le peuple à la guerre, comme vous l'avez compris. Et pour nous croyants, pour nous chrétiens, nous attendons bien sûr euh, la, 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 le retentissement de la dernière trompette, qui, selon les Écritures, vont, euh, ce retentissement va permettre euh, aux saints décédés, aux chrétiens morts en Christ, d'être ramenés à la vie, et euh, à ceux qui seront vivants, bien sûr, d'être enlevés avec les chrétiens ressuscités à la rencontre, n'est-ce pas, à aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alors. Et euh, toujours, hein, dans le cadre de cet enseignement, nous allons prendre euh, Apocalypse chapitre, euh, chapitre 8. Voilà. Apocalypse chapitre 8. Donc, nous lirons à partir du verset 10. Donc, vous avez compris que les trompettes ont pour, euh, bien sûr, euh, rôle, euh, pour mission, euh, et euh, Dieu s'en sert pour, premièrement, rassembler ses élus, pour les instruire, notamment à l'époque d'Israël, et deuxièmement, pour les préparer à la guerre. Alors, le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Et elle tomba sur le tiers des eaux et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en Absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Alors, on va voir quelques images là justement des étoiles filantes des euh, ces comètes, voilà. Alors ici, nous allons rester sur cette image. Il est question ici, mes amis, euh, euh, d'une un, euh, météorite. Hein, je crois que c'est pardon une comète, donc ça c'est une comète plutôt. et, euh, et, euh, et euh, il est question aussi bien sûr dans ce passage à la fois euh, des comètes, météorites ou encore n'est-ce pas Astéroïdes. Voilà. Donc, ces corps célestes peuvent à tout moment, bien sûr, frapper la Terre. Il y a déjà eu des collisions dans le passé et euh, il y en a aujourd'hui, n'est-ce pas Donc, euh, même si euh, ce n'est pas des, des, des grosses, de grandes collisions, collisions tout ça, et, euh, mais tout le temps, la, la Terre est bombardée par des corps célestes. Mais alors, ici, nous allons, comme d'habitude, hein, nous allons faire deux sortes d'interprétations. Alors il est question d'abord ici euh, d'une interprétation allégorique, c'est-à-dire euh, euh, l'étoile en question ici qui va tomber euh, du ciel sur la terre euh, n'est autre que un démon. Et on nous donne le nom de ce, ce, ce démon et euh, son nom est Absinthe. Voilà. Donc c'est un esprit impur qui va bien sûr tomber sur la terre. Et lorsque le troisième ange va faire retentir euh, le son de la trompette. Et je crois que ce, ce son-là a déjà retenti. Voilà. Donc, et qu'est-ce que nous apprenons? Nous apprenons que eh ben, une grande étoile, on nous dit que c'est une grande étoile ardente, comme un flambeau. Eh ben voilà. Et euh, ça, c'est une interprétation, bien sûr, euh, l'image euh, nous parle d'une interprétation, euh, comment dire, littérale. Voilà. Mais on en fait, euh, comme je vous l'ai dit, on fait deux types d'interprétations par rapport à ce passage, parce que Jean a utilisé des langages, euh, un langage très symbolique, il a utilisé beaucoup de symboles. Alors, euh, la première interprétation, elle est allégorique, c'est-à-dire, on va euh, attribuer... Euh, en fait, l'étoile en question, c'est un démon, d'accord Un esprit impur qui tombe sur la terre, et les eaux en question ici, notamment euh, et, euh, les sources d'eau, les fleuves, euh, représentent en fait... Et euh, la, la parole, mais une parole mélangée, une parole qui est devenue amère, un évangile tronqué, voilà, en fait le but hein, le but de ce démon c'est, n'est-ce pas de, 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 de falsifier l'évangile Paul dit dans 2 Corinthiens 2 hein, il disait que nous ne, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs et euh, alors cet ange, ce démon ici n'est-ce pas, va venir pour Falsifier la parole de Dieu et euh, mélanger l'évangile et euh, créer carrément euh, un évangile, mettre en place un évangile tronqué, un évangile édulcoré, un évangile dépouillé de sa, de de, sa, de, sa, de la sainteté, dépouillé de, de la croix, tout simplement. Voilà. Et, euh, et on nous donne bien sûr le nom de cette étoile et euh, on nous dit que c'est absinthe. Alors, nous allons bien sûr aller rapidement dans Jérémie chapitre 9, verset 15. Jérémie, chapitre 9, verset 15. Alors je demanderai à quelqu'un de l'équipe là-bas si c'est possible de me faire la lecture à chaque fois. Et euh, avec un micro, ça va nous aider parce qu'on va étudier plusieurs trompettes ce soir parce que le peuple a soif. Les frères et sœurs sont encouragés par ces enseignements sur la fin de temps, sur la prophétie biblique parce que quand on parle de l'Apocalypse, forcément, on fait allusion à la prophétie biblique. Voilà, donc, parce qu'on a quand même pas mal de passages à lire, nous sommes dans Jérémie, chapitre... 9, verset 15. Alors, on va voir un peu le, le, le but, hein, la, la signification de l'absinthe. Et euh, nous savons que c'est du poison. Voilà. Donc, euh, c'est est aussi un alcool. Hein, et, euh, prohibé et, en Europe il y a quelques années de cela et de nouveau autorisé, autorisé aujourd'hui. Et euh, voilà. Donc, ce démon se sert comme la femme d'Apocalypse 17 de, de l'alcool, d'une boisson, d'un poison hein, pour. Enivrer les hommes, pour enivrer les hommes, pour tromper les gens. Rappelez-vous bien Apocalypse dix 17 On nous parle d'une femme assise sur une bête écarlate. Cette femme avait dans sa coupe euh, une, euh, comment dire du vin, du vin pour euh, enivrer les hommes de ce monde, les rois de ce monde. Pas aussi, euh, également, elle, est, elle a pour rôle cette femme a pour mission d'enivrer aussi des chrétiens, malheureusement. Et euh, donc et, euh, et là, on nous dit que ce nom-là, le nom de ce démon est Absinthe. Et ce démon, quand il va tomber sur la terre, on nous dit que beaucoup d'hommes vont mourir. Et c'est déjà le cas, je vous dis, beaucoup meurent, spirituellement bien sûr, hein, beaucoup meurent. Voilà, voyez cette étoile, l'image que vous avez là, c'est une étoile en forme de flambeau. Hein, Jean avait bien vu. Hein, donc c'est là, là, spirituellement, en fait, c'est la chute. Hein, c'est comme la chute d'un démon que Jean a vu, donc là c'est une interprétation allégorique, n'est-ce pas? Donc euh, allégorique, symbolique, et bien là, c'est comme un démon qui tombe du ciel, et, euh, parce que le Seigneur disait que les puissances des, des cieux seront ébranlées. Plus Jésus revient, plus les démons qui sont dans la sphère spirituelle, dans les lieux célestes, comme Ephésiens 6 le dit, les méchancetés qui sont dans les lieux célestes, ces, ces démons-là sont secoués, sont, ben, sont secoués. Plus Jésus revient, plus Jésus descend, plus ces démons tombent sur terre. Et là, c'est comme ces étoiles-là euh, tombent. En fait, les démons sont aussi appelés euh, des astres. Rappelez-vous bien dans Ésaïe euh, 14, 12. Ésaïe dit, euh, te voilà tombé du ciel, astre brillant, hein, le fils de l'aurore. Il est question ici euh, de la personnification de Satan, hein, de, du serpent ancien. Et on, on, on l'appelle l'astre brillant, n'est-ce pas Donc littéralement étoile brillante. Et dans Apocalypse 12, 3. On nous dit que la queue du serpent ancien va entraîner dans sa chute un tiers d'étoiles, un tiers d'étoiles, un tiers d'astres. Donc vous voyez bien que les démons hein, sont aussi appelés astres ou encore étoiles. Voilà. Donc vous comprendrez pourquoi Jean ici va voir un démon tomber du ciel et ce démon porte un nom absinthe. Et l'absinthe est, euh, est, 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 est de l'alcool, hein, c'est un alcool, un alcool très fort et qui peut tuer qui Peut tuer. En fait, on va lire justement Jérémie 9, C'est pourquoi, ainsi parle Yahweh des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais nourrir ce peuple d'absinthe et je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Voilà. Donc, vous voyez bien que euh, Dieu, par son prophète Jérémie, hein, donc nous sommes au 8 siècle et euh, nous sommes, euh, pardon, au, au, au 7e siècle, à peu près avant Jésus-Christ. Jérémie, le prophète, reçoit une, une prophétie. De la part du Seigneur, et il la partage à son peuple. Et Dieu disait, n'est-ce pas, qu'il allait faire boire des, euh, de l'absinthe, des eaux empoisonnées, à son peuple. En fait, l'absinthe était utilisée par Dieu pour juger, pour punir les rebelles. Donc il est question ici du jugement de Dieu. Donc la, le, le retentissement de la troisième trompette, n'est-ce pas, va, n'est-ce pas, matérialiser le jugement de Dieu sur terre. Et l'absinthe était donnée aux gens qui connaissaient Dieu et qui ne voulait pas de la vérité. Donc ce démon va être envoyé carrément par Dieu lui-même. C'est Dieu qui nous env qui envoie un esprit d'égarément aux, 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 aux croyants, aux chrétiens qui refusent la vérité selon 2 Thessaloniciens chapitre 2. Donc ce démon va descendre du ciel, par là où bien sûr Dieu règne, hein, donc la sphère céleste où euh, ils ont établi leur royaume avec Satan. Et là il descend et il porte un nom, absinthe. Donc je crois que l'absinthe, euh, mes amis, euh, vraiment, euh, c'est carrément un démon, c'est carrément un esprit impur. Et il va, n'est-ce pas, polluer les eaux de la terre. Il va aller carrément à la source. C'est terrible, hein? À la source des eaux. Et aujourd'hui, ce démon-là fait, fait des dégâts. Eh bien, il est allé à la source de la, de la vie chrétienne, de l'Église. La, de la, de à la source même hein, du christianisme. C'est quoi la source du christianisme ben, C'est la Bible. Il est allé à la source, mes amis, euh, de, de, des églises que le Seigneur a établies. Or, notre source, c'est la parole de Dieu. Eh bien, c'est-à-dire, ce démon va carrément, mes amis, utiliser des impies, utiliser des hommes, même des, des, des théologiens, pour falsifier la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous avons de plus en plus de Bibles falsifiées. Ah oui. Et ces Bibles-là sont comme des eaux empoisonnées. Hein? Il y en a plusieurs. Hein? Vous connaissez les versions des Bibles qui sont bien sûr falsifiées. Hein? Donc, euh, c'est pour cela que nous recommandons aux gens des Bibles comme la Martin, comme l'Osterwald, euh, comme la Bible de l'épée de 1540. Tout ça. Et euh, des Bibles traduites, bien sûr, ou euh, euh, révisées à partir de textes majoritaires. Voilà. Et euh, Donc, vous voyez bien qu'on nous dit que ce démon. Va, regardez bien le nom. Hein, on nous dit que c est, c est, ce démon, son nom est absinthe, et on nous dit que le tiers des eaux fut changé en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Et ça, c'est terrible. On nous dit au verset, au verset 10, vers la fin, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Les sources des eaux. Voyez, le Seigneur disait dans Jean 7 celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein et il parlait selon Jean 7 de l'esprit que allait recevoir ceux qui allaient croire en lui donc voyez bien que les eaux dans la bible représentent aussi la parole de Dieu représentent également l'esprit de Dieu alors ici n'est-ce pas ce démon va amener un autre esprit un autre esprit regardez ce que Paul disait dans 2 Corinthiens chapitre 12 mes amis que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous compreniez ce message nous sommes vraiment à la fin, le Seigneur est à la porte. Réveillons-nous, mes amis, s'il vous plaît. Le maître n'est plus loin. Regardez ce que Paul disait dans 2 Corinthiens chapitre, chapitre 11. Il disait quelque chose de fort. Voilà. Donc, Paul dit ceci. Et euh, à partir du verset... Et euh, à partir du verset euh, premier. « Plaise à Dieu que vous me supportiez un peu dans ma folie. » Je vous prie, supportez-moi, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Mais je crains que, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées aussi ne se corrompent en se détournant de la simplicité qui est en Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, donc c'est-à-dire une autre parole, voyez, que nous n'avons prêché, que nous n'avons pas prêché, ou si vous recevez un autre esprit, que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Vous vous rendez compte Paul parle d'un autre Jésus, il parle d'un autre évangile, et il parle d'un autre esprit. Et un Jean nous parle là-bas de l'esprit de vérité et de l'esprit de l'erreur. Il y a deux esprits. Esprit de vérité, que le Saint-Esprit, l'esprit de Christ, l'esprit du Père, ou encore l'esprit de l'erreur, c'est-à-dire l'esprit du mensonge, ou l'esprit de l'égarément. Voilà. Mes amis, et c'est ce, cette étoile-là qui amène ces choses. Cette étoile-là, l'absinthe, amène ces trois choses. Il amène un faux évangile, l'évangile de la prospérité, dépourvu de la sanctification, de la séparation avec le mal, d'avec les pécheurs, dépourvu, mes amis, de, de la vérité, de la crainte de Dieu. Cet évangile qui glorifie l'homme, cet évangile qui est basé sur l'homme, 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 l'homme. Et cet évangile qui te dit paye la dîme, de payer la dîme pour être béni. Alors que nous sommes déjà bénis grâce à l'œuvre de la croix, par Yeshua, notre maître. Cet évangile, mes amis, qui se focalise sur la construction des bâtiments qu'on appelle le temple. Cet évangile qui veut que des pasteurs cherchent à voir des églises de 4000 membres, 6000 membres, 10 000 membres. Cet évangile qui, est, qui, 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 qui amène les gens à voir des méga churches. Mes amis construire des bâtiments pour mettre 10 000 personnes, 15 000 personnes, s'appeler tout ça, tout ça là, c'est pour aller enfermer les gens comme dans des sardines, comme des sardines, dans des bois de sardines. Et les hommes acclament, les hommes accourent, les hommes aiment ça. Vous voyez cet évangile qui ne parle pas du ciel, qui ne parle pas de la liberté en Christ, qui ne parle pas de la foi en Jésus-Christ, qui ne parle pas, mes amis, des baptêmes par immersion, véritablement au nom de Yeshua. Cet évangile qui, est, qui parle de l'homme et un autre Jésus, nous dit-on ici. Eh bien, de quel Jésus eh bien, De plus en plus, les gens parlent d'un Jésus qui ne ferait pas Dieu. Tout homme qui vous dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, fuyez-le. Parce que la Bible est claire, Jésus-Christ est Dieu. Tout homme qui vous dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, la Bible dit que Dieu a été manifesté en chair. Vous voyez Donc, on prêche un autre Jésus. Qui est ce faux Jésus-là eh C'est l'Antéchrist. C'est l'antichrist. Voilà. La bête. Et on nous parle d'un autre esprit. Eh bien, de quel esprit, mes amis eh bien, De l'esprit. De l'erreur, l'esprit d'erreur, l'esprit de l'erreur dont parle justement notre frère, frère Jean. Il a beaucoup parlé là-dessus. Et euh, regardez ce que Jean nous dit dans 1 Jean 4. Mais bien aimé, ne croyez pas à tout esprit. Uh -huh. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à cette marque l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus Christ est venu en chair n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui est maintenant déjà dans le monde. Wow! Jean nous dit que cet esprit est déjà dans le monde. Vous voyez? Et regarde le verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Mais celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute point. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Donc l'esprit de l'erreur ou de la séduction tout simplement, l'esprit de séduction, l'esprit de l'égarement, les eh c'est l'esprit de l'antéchrist. Eh vous avez des religions aujourd'hui qui disent que Jésus-Christ n'est pas venu en chair, qu'il n'est pas mort à la croix, qu'il c'est quelqu'un qui est mort, qui serait mort à la place de Jésus-Christ, qui n'est pas mort et ressuscité corporellement, d'autres encore qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, n'est pas le Père. Donc, confondant ainsi mes amis, oubliant ainsi qu'il est à la fois, il est totalement Dieu et totalement homme. Ben oui, c'est un mystère. Il fait ce qu'il veut, il est tout puissant, il est, tout, il est notre Dieu. Vous voyez, donc Paul dit justement que Jean nous dit que cette, cette étoile-là, justement, ce démon-là, hein, vient pour apporter un autre évangile, pour apporter... D'ailleurs, vous allez voir qu'après la mort de Jean, le dernier apôtre, bien sûr, eh ben, cette étoile a fait des dégâts. Cette étoile est tombée, l'absinthe. Et qu'est-ce qu'elle a provoqué, cette étoile, ce démon, qu'est-ce qu'elle a créé Eh bien, il a créé l'Église catholique et romaine. Qui a apporté quel, 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 quel évangile L'évangile qui glorifie l'homme, qui glorifie le pape. à dans Matthieu 23, dit quoi Dans Matthieu 23, le Seigneur a dit quoi N'appelez personne sur terre votre Père. Un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Eh bien, l'Église catholique vient, dit, eh bien, il y a Saint, le Saint Père. Vous voyez le, Paul dit... Et nous n'avons pas d'autre Seigneur que Yeshua. Il y a un seul Seigneur. Il le dit clairement. Eh bien, l'Église catholique a mis en place beaucoup de Monseigneurs. Vous voyez Donc, l'Esprit de l'Antichrist a commencé à opérer beaucoup plus après la mort de Jean. Il opérait déjà, mais là, après la mort de Jean, mes amis, cette étoile a fait des dégâts comme pas possible, créant un autre, euh, mettant en place un autre évangile. L'évangile qui disait aux gens qu'il fallait qu'ils fassent allégeance au pape, allégeance qu'il fallait qu'ils s'adressent aux saints, alors que le Seigneur nous dit qu'il n'y a pas d'autre médiateur que Yeshua. Un seul Dieu, Dieu est un, et le médiateur entre Dieu et les hommes est un, 1 Timothée 2.5. Donc vous voyez que cette étoile-là, mes amis, fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Donc les gens boivent ces eaux empoisonnées, c'est-à-dire cet évangile pollué. Et je vous disais tout à l'heure que ce démon a pollué, a changé les sources des eaux en absinthe. Eh bien, les sources des eaux, ben, c'est la parole. C'est pour cela qu'il y a des bibles falsifiées de plus en plus. Des bibles qui, où, où, où les, des mots comme repentance sont, mes amis, enlevés, péché enlevé. On utilise un euphémisme, hein, de l'euphémisme, tout ça là pour adoucir, pour moins faire peur, pour ne pas faire peur aux gens, soi-disant. Donc repentance, c'est enlevé, conversion, c'est enlevé, tout ça. Et, euh, et comment dire, le péché, c'est des mots qui commencent à être enlevés, bannis, tout ça, d'une certaine Bible. Et vous allez voir que ces Bibles-là préparent la voie, n'est-ce pas, à, à, à l'Église mondiale, à l'Église syncrétiste, à l'Église éc, écuméniste et syncrétiste. C'est-à-dire une Église qui, euh, devient, qui, devient, qui deviendra, c'est déjà le cas aujourd'hui, la religion mondiale contrôlé, manipulé par le New Age. Voilà. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas des Bibles où euh, le, le Jésus-Christ est présenté comme un simple homme. Voilà. Toutes les références euh, dans les Écritures hein, en, euh, en rapport avec la divinité de Jésus-Christ sont bien sûr euh, euh, falsifiées, changées, modifiées. Donc ce démon est allé à la source. Cette étoile. Et la Bible nous dit qu'à cause de ces eaux empoisonnées, beaucoup d'hommes meurent. Et effectivement, beaucoup meurent spirituellement. Il est question d'abord de la mort spirituelle. D'abord, parce que nous faisons d'abord une interprétation allégorique. Beaucoup meurent spirituellement. Beaucoup meurent à cause de ces enseignements erronés. Beaucoup sont tués. Et nous sommes dans une génération où la plupart de nos églises sont malades. La plupart des églises sont polluées par des eaux amères. Un évangile est prêché là-bas. Cet évangile glorifie l'homme. Cet évangile ne dénonce pas le péché, ne parle pas de l'enfer. N'enseigne pas aux gens que s'ils meurent dans le péché, ils vont se perdre pendant l'éternité. Cet évangile, mes amis, euh, ne plus prêcher. On parle de l'homme, on parle de, 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 du bien être de l'homme sur terre, on parle de l'homme comme étant un champion, un champion, pardon, un champion qui doit dominer, on parle de l'homme, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu. Cet évangile qui fait que ben, on crée des sectes, on crée des dénominations, tout ça. Vous voyez, et c'est grave. Donc les eaux qui sont empoisonnées et, euh, et, et beaucoup d'hommes vont mourir par ces eaux. Ce sont ces eaux là, cette parole tronquée qui tue. Regardez ce que Dieu dit dans Deutéronome 29, 17 à 18. Donc on va nous le lire rapidement. Deutéronome 29, 17 à 18. Et vous avez bu leur abomination et leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont parmi eux. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu qui détourne son cœur aujourd'hui de Yahweh, notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations. Qu'il n'y ait pas parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Voilà, on nous parle de racines, vous voyez, hein? donc l'absinthe, là, va vraiment à la racine à la source. Et là, eh ben, ça produit l'amertume, l'amertume. L'amertume. Voilà. Et la religion d'aujourd'hui, la religion aujourd'hui euh, bah, produit l'amertume. Voilà, parce que les eaux sont empoisonnées, parce que ce démon est tombé du ciel hein, au retentissement de la troisième trompette. Tac, il est tombé. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, ça date déjà. Parce que nous, vous avez vu, hein, il apporte trois choses. Il apporte d'abord les eaux sont souillées, donc l'évangile est mélangé, et d'il Des bibles sont, parce qu'il va à la source cet esprit, les bibles sont falsifiées. Des bibles sont falsifiées, tronquées, des versets enlevés, tout ça modifié. Voilà. Et ensuite, cet esprit, cet ange. Cette étoile apporte, mes amis, un l'esprit de l'erreur, l'esprit de l'antichrist, et puis prêche aussi un faux Jésus. Voilà. Donc, vous avez compris, hein, Et regardez ce que Jérémie 2, 13 nous dit, à 14 à 18, pardon. Jérémie 2, 13 à 18. Car mon peuple a commis doublement le mal. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, pour se creuser des citernes, des citernes crevassées qui ne peuvent pas retenir l'eau. Mmh. Israël est-il un esclave ou un esclave né dans la maison Pourquoi donc est-il mis au pillage Les lionçons rugissent, poussent leurs cris contre lui, et ils mettent son pays en désolation. Ses villes sont brûlées, de sorte que personne n'y habite. Même les fils de Noph et de Tapanès te casseront le sommet de la tête. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné Yahweh ton Dieu à l'époque où il te conduisait par le chemin Et maintenant qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Chichor Ah Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve Ah Voyez ici Dieu dit que son peuple l'a abandonné pour se creuser des citernes crevassées ou des citernes tout simplement euh, cassées. Voilà, cassées littéralement. Et, et ces citernes-là, euh, Dieu euh, les identifie comme étant les eaux de Chichor ou Chicor, c'est-à-dire des eaux du Nil ou encore des eaux boueuses, sales, empoisonnées, et les eaux d'Assyrie, qui sont aussi des eaux empoisonnées, des, des eaux sales. Donc, Dieu, n'est-ce pas, dit qu'il euh, il identifie deux types de citernes ici, l'Égypte et l'Assyrie. Voilà. Et. Et, 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 et c'est ce qui se passe. L'Égypte est identifiée au monde. Le monde, l'Égypte symbolise le monde. Dans, dans, dans mes amis, dans euh, euh, Apocalypse 11, au verset 8, je crois, on va le lire rapidement. Vous allez voir que beaucoup de gens vont même se ressourcer en Égypte. Des chrétiens qui font leur pèlerinage chaque année en Égypte pour aller se ressourcer. Vous allez voir ça. Vous allez comprendre les eaux de Chichor que les gens vont boire aujourd'hui des chrétiens évangéliques qui font leur pèlerinage, vous allez comprendre dans quelle ville précisément. Apocalypse 11, verset 8. Et leurs cadavres seront étendus sur les places de la grande ville qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte, où aussi notre Seigneur a été crucifié. Ah, notre Seigneur a été crucifié où ben À Jérusalem. Et Jérusalem actuellement est, 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 est présentée comme, Dieu la voit comme l'Égypte et Sodome. Ah uh -huh. Vous savez ce que c'est, hein Sodome. Sodome, il y avait quoi dans Sodome il y avait mes amis l'homosexualité voilà il y avait toutes sortes de péchés allez, allez lire dans Genèse 19 vous allez voir des du petit des petits hein, jusqu'au grand du petit jusqu'au grand ben, tout le monde était contaminé par le mal par le péché et euh, et il voulait même violer les anges que Dieu avait envoyés pour 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 les avertir vous voyez frères et sœurs mes amis pour sortir l'hôte de, 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 de ce, ce trou hein, de ce, ce ce monde complètement paganisé cette ville de ces villes paganisées et là on nous dit que, mes amis, les, la, la, la Jérusalem actuelle, celle d'en bas, qui a rejeté Dieu, bien sûr, est comparée à Sodome et Égypte. Eh bien, des millions de chrétiens, qu'ils partent pour visiter, il n'y a pas de problème. Comme je l'ai fait moi-même pour aller visiter le, la ville, comme on peut visiter n'importe quel pays, aller visiter des sites touristiques, ça, il a pas de problème. Mais. Que, que, les, que les gens aillent là-bas à Jérusalem pour aller prier sur le mur de la lamentation, pour aller mettre des bouts de feuilles, des pasteurs qui, qui mettent des bouts de feuilles sur les... Mes amis... Euh les interstices euh, ou les, les, les trous, les fentes des, du mur hein, les, pour, pour, pour être exaucés par Dieu, alors que le Seigneur a dit à la femme samaritaine, ce n'est ni sur les montagnes, ni à Jérusalem qu'il faut adorer le Père, car Dieu est esprit, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Et bien là, c'est la confusion totale. C'est la confusion totale. Vous des pasteurs qui vont, vous rendez compte des pasteurs qui vont se faire rebaptiser dans le Jourdain, le Jourdain hein, pour recevoir quelque, quelque, une onction C'est la confusion. Les gens, ils vont se ressourcer là où il ne faut pas. Alors que, mes amis, euh, Dieu dit, mais vous m'avez abandonné pour aller vous ressourcer, mes amis, en Égypte, boire les eaux boueuses. Les gens, ils vont, vous allez vous ressourcer où Vous, ressourcer où? vous allez chercher quelle parole Le Seigneur vous dit qu'il est esprit, que vous pouvez l'invoquer de chez vous, vous pouvez, la, vous pouvez faire affaire à lui, appel à lui. Et si vous faites appel à lui de, depuis vos maisons, vos chambres, vos appartements, vos villes, vos pays, Dieu peut vous visiter, bien sûr. Il est esprit, il est partout. Dieu est notre Dieu, est notre Père. Allez, donc Dieu, mes amis, pleure. Il dit son peuple l'a abandonné pour des citernes crevassées, c'est-à-dire l'Égypte et la Syrie. C'est-à-dire, en gros, le monde. Voilà, la religion. Parce que l'Égypte avait, bien sûr, une religion avec plusieurs divinités. Et c'est ce qui se passe actuellement. Et sur le plan physique, bien sûr, mes amis, si on veut faire une interprétation littérale, des comètes, des astéroïdes, tout ça, vont de plus en plus tomber sur la Terre. Et euh, pour tuer les hommes, et c'est déjà le cas, on va montrer quelques images. Encore hein. Voilà, donc on va de plus en plus, il y aura de plus en plus, euh, selon les Écritures, bien sûr, euh, des euh, corps célestes qui vont s'abattre sur le monde, hein, et beaucoup vont mourir, et les eaux seront empoisonnés, tout ça. Et euh, donc là, c'est une interprétation, bien sûr, littérale. Et, hein, donc on va montrer d'autres images. Voilà, encore. On va tourner un peu celle-là, on l'a déjà vue. Merci. Voilà, comme Jean l'a dit, hein, donc des torches, voilà, voilà. Donc, euh, et rappelez-vous bien, le Seigneur il disait dans, dans Matthieu, dans Jean 14, il disait qu'il voyait Satan tomber du ciel comme hein, un éclair. Donc, euh, ben c'est la même chose hein, pour vous montrer que les démons tombent vraiment comme des étoiles. Hein, donc, euh, je veux rapidement, euh, quand il a envoyé, c'est quand il a envoyé les apôtres là, et euh, quand ils sont revenus, et euh, pardon, quand ils sont revenus de dans Luc, de la mission. Et euh, voilà, ils étaient tout contents parce qu'ils avaient été euh, puissamment utilisés par le Seigneur. Et euh, voilà, donc, euh, et c'est grave, mes amis, l'heure est grave. Le Seigneur est en train vraiment de revenir. Il faut qu'on se prépare à son, à son retour euh, glorieux. Voilà, donc, euh, on va lire ce passage-là. Voilà. Donc, euh, Matthieu chapitre 11, Seigneur, merci pour ta parole, qui nous fait du bien, qui nous guérit, qui nous libère au nom de Yeshua. Alléluia. Dieu est bon, Dieu nous enseigne son évangile, cet évangile qui nous restaure. Voilà, Alléluia, gloire à Dieu. Voilà la mission, euh, la mission des apôtres quand il les a envoyés. Donc, Satan, bien sûr, on va prendre ce passage-là. Le Seigneur disait qu'il voyait Satan tomber hein, du ciel comme, euh, comme un éclair. Et il ne fallait surtout pas que les apôtres se réjouissent hein, d'avoir... Euh, Chasser les démons, mais plutôt euh, ils devaient se réjouir parce que leur nom était, était écrit dans le royaume des cieux. Donc euh, l'équipe va nous lire ce passage. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, à en même temps nous appeler parce qu'on va faire une pause dans quelques minutes pour euh, passer à la, au deuxième enseignement sur la quatrième euh, trompette. Hein, Luc chapitre 10 verset 18 Voilà, on peut le lire. Jésus leur dit je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voilà. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, le Seigneur le dit. Donc on voit bien que euh, les démons tombent comme des éclairs, donc comme là, hein, comme euh, cette image que vous avez là. Donc Jean a bien vu dans Apocalypse 8 là-bas, il a bien vu la chute de ce démon dont le nom est Absinthe. Et ce démon, comme on vous l'a dit, provoque beaucoup de choses, et beaucoup, beaucoup de dégâts. Et il y a beaucoup de gens qui meurent parce qu'ils ils mangent euh, une parole, euh, ils boivent les eaux empoisonnées, un message tr tr euh, comment dire, tronqué, un message euh, édulcoré, un évangile mélangé, et un, 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 une parole truquée, voilà complètement euh, pollué Voilà, mes amis, que Dieu vous garde. Alors, euh, on va revenir dans cinq minutes. Merci.